Sœurs et frères bien-aimés, amis de partout de Radio Télé-Soleil, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Avec vous ici, maintenant, présentement, Monseigneur Patrick Harris. Nous sommes dans le temps pascal et nous allons essayer de faire un petit accompagnement à travers un thème que vous connaissez très bien, à savoir le ressuscité. Alors le titre que je vous propose pour cet accompagnement est celui-ci, accès au ressuscité. Donc nous allons essayer de proposer deux ou trois chemins d'accès au ressuscité. Nous allons essayer de proposer à travers deux ou trois émissions qui seraient à mi-chemin entre enseignement et émission didactique, une façon de vous rendre compte comment le mystère central de notre vie de foi, de chrétien, de chrétienne, comment ce mystère central a fait son chemin à l'intérieur de l'histoire et peut-être aussi à l'intérieur de votre vie. Alors, accès au ressuscité va être effectivement le lieu à partir duquel je vais m'inscrire pour essayer de vous laisser regarder le ressuscité. J'ai parlé d'essai dans la mesure où, en essayant de trouver un chemin d'accès au ressuscité, il faut bien comprendre que des chemins d'accès ont été déjà essayés et ces chemins nous ont conduits à une sorte de science du ressuscité ou de la résurrection. Alors nous allons essayer de faire cela très simplement, très rapidement. Rapidement dans le sens où nous n'allons pas nous étendre sur 3, 4, 5 périodes d'émission pour cela. Nous allons tout simplement considérer le plus simple parmi les éléments disponibles pour cet itinéraire. Alors maintenant, pour bien centrer la chose, nous allons établir directement l'itinéraire. L'itinéraire sera d'abord de regarder avec vous, non pas qu'est-ce qui est arrivé, car je suis sûr que vous et moi, nous sommes incapables de savoir ce qui est arrivé. D'ailleurs, personne n'a pu savoir ce qui est arrivé. Mais cela ne veut pas dire que nous ne savons rien du tout de ce qui est arrivé. Nous n'avons pas été témoins de ce qui est arrivé, mais nous savons à un certain moment de la durée ce qui ou est arrivé ou a dû arriver. Alors, nous allons essayer en premier lieu de nous positionner ici, ici même, à travers cet espace. Nous allons essayer de nous positionner pour savoir, un, directement, quels sont les éléments référentiels à notre disposition pour parler du ressuscité? Ces éléments essentiels vont nous permettre de comprendre que du ressuscité, il faut faire un pas, non pas en avant, mais un pas en arrière. Et ce pas en arrière sera de nous donner la possibilité d'entrer dans la résurrection. Et une fois que nous aurons été capables de pénétrer à l'intérieur de la résurrection, nous allons maintenant pouvoir très rapidement serrer les différents éléments qui sont disponibles pour parler de cette résurrection, les termes qui sont employés pour le dire, et après cela, il sera très facile de comprendre comment le ressuscité est connu ou reconnu. Et cela vous permettra de comprendre qu'est-ce que c'est que une apparition ou bien quels sont les impacts des apparitions sur ce que normalement nous avons comme élément disponible pour notre foi. Alors, ça fait quoi? Ça fait un petit quelque chose sur la résurrection, un petit quelque chose sur le ressuscité et un petit quelque chose sur les apparitions. Si nous arrivons à baliser ces trois éléments-là, nous aurons pu dire que, eh bien, c'est pas trop mal. On peut avoir des éléments peut-être en plus, ou bien encore des éléments qui sont mieux assis, ou bien plus clarifiés, ou bien plus disponibles. Alors, c'est un peu cela que nous allons faire ensemble, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis de Radio Télé-Soleil. Encore une fois, bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bien. Alors,
Maintenant, comment nous allons entrer dans la question, hein? Me dit déjà, oui. Comment nous allons entrer dans la première émission, ça? Dans la première émission, ça, ça nous allons essayer de garder, c'est directement à travers comment nous dit nous gagner devant nous le ressuscité. Ça passé qui fait nous dit ce ressuscité a nous gagne devant nous. La première chose, c'est les textes qu'il faut utiliser. Ces textes-là, nous les trouvons d'abord comme étant des récits. Et ces récits, nous les avons en premier lieu dans les évangiles. Donc, nous avons l'évangile Saint-Marc, qui n'a pas tellement banou en pile information. Mais nous avons Matthieu, qui banou des informations, mais information par lieu est très particularisable. Et puis après ça, on va avoir Luc et puis Jean. C'est Luc avec Jean, ou capable de dire, c'est deux messieurs Sayo qui offrent nous plus d'informations pour nous parler de ressuscité. Parce que ressuscité, nous allons gagner accès à lui. Comment? Nous allons gagner accès à lui d'abord par le fait qu'il le s'est fait voir, et ensuite en se faisant voir par les déductions que nous en faisons à la suite d'être vu. Une fois qu'il a été vu, nous avons compris que c'est quelque chose qui lui est arrivé qui nous a permis qu'il nous permette de le voir. Il nous a permis qu'il nous permette de le voir. Mais une fois que maintenant nous avons vu, ce que nous avons vu nous permet maintenant d'aller vers ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'avions pas pu voir, ce qu'il nous était absolument impossible de voir. Alors, une fois que nous n'avons fait pas ça, qu'on y en là, nous devons certainement chercher à comprendre exactement qui s'est passé, ça nous pas trouvé. Donc ça veut dire que dans la première émission, ça, c'est qui ça nous pas trouvé. Venons aller comme ça. Qui ça nous pas trouvé exactement et les nous ouais, qui ça nous ouais qui permettent nous comprendre qui ça nous pas ouais. Venons formuler les questions comme ça et puis n'a pas avancé. Donc ça nous pas ouais, c'est de lui-même nous pral parler. Donc qui ça nous ouais? Nous ouais exactement le ressuscité et mais les nous ouais le ressuscité, lui dit nous c'est pas ouais nous ouais, c'est une apparition. Donc ça veut dire on va aller dans apparition. Hein? On va nous camper sur ressuscité a. Vi nous dit en fin de compte qui ça qui passé qui fait que nous li qu'apparaît qui fait nous kawel nous ka identifier ce ressuscité a lié et bagay ça c'est lui même qui a la base. Donc si nous pas explorer premier bagay qui a la base là et n'a parlé de ressuscité et n'a parlé de apparition méthodologiquement n'a retrouvé une devant difficulté parce que ça pour nous ta faire pour qui nous ta dit faut qu'on passe dans un pour arriver dans deux a laisse nous ta entrer dans deux directement comme si deux pas deux a c'est dicté numéro 1 alors que deux pas numéro 1 faut nous comprendre ça. Alors maintenant qui ça nous pas ouais. Eh bien, nous pas ouais exactement qui ça qui passé qui fait lui vivant. Nous pas ouais ça. Ça qui fait nous pas ouais ça. Est-ce que c'est genou? Il te gain droit genou. Te gain droit genou. Nous connait pour qui ça? Parce que qui ça nous apprendre? Nous apprendre que même les Noël nous pas connait lui. Donc ça veut dire genou qui ouais. Genou qui connait ouais. Genou qui toujours habitué ouais. Genou pas j'aime six pan ouais. On l'est genou ouais et il par contre ça ouais. Autrement dit, gon connexion entre genou avec intelligence nous, connexion ça li permanente. Mais qui ça qui fait à un certain moment de la durée connexion ça li défaite. Ça veut dire entre ça j'aime ouais et ça intelligence moi ta dim ça ouais, comment faire m'pa ka faire connexion directement. Tout en m'a poser question, tout en nous poser tête nos questions en tout. Qui ça qui fait que on nous habitué avec? Mon nous fait 5 10 ans dehors après ça on reconnaît celui. Moi me songe gagne on nèg Léogan, moi te gagne plus que 20 ans m'ba ouais. Là m'rive sous monsieur, m'dit et mais c'est ou même? Oui mais si après 20 ans, je me rappelle que je suis un monde, même si après 20 ans, il y a un changement, mais très fondamental, il y aurait été là qui fait moi, c'est lui-même qui est lui-même. Et je ne me trompe pas, et lui ne me trompe pas, il y a lui-même, c'est lui-même. Et moi-même, je ne me trompe pas, je me dis que c'est lui-même qui est lui-même. Alors, comment faire après 2 jours et demi, 3 jours, il y a un monde qui est mort, après ça, qui est levé pour me reconnaître que c'est lui-même qui est lui-même? Nous t'attouer que gon problème sérieux et problème ça il t'a mérité certainement pour nous analyser.
Alors, donc ça veut dire que c'est exactement ça qui fait nous poser la question, qui ça nous pas ouais, qui fait que les nous ouais, nous pas toujours comprendre ni ouais ça nous ouais, intelligence nous pas éclairer pour nous ça nous ouais de façon pour nous être capable d'identifier de la manière la plus normale, de la manière la plus ordinaire et là ça nous dit bon, OK, pas aucun problème, ça dit c'est ça lié. OK? Alors, parce qu'on y a une problématique là bien posée pour nous. Vinon kounyan aller on ti kras pi loin. Ti on ti kras pi loin vle di ki sa? Eh ben vinon wè. On nous considérer un bagage fondamental. Un bagage fondamental c'est que Jésus c'était un familier monsieur Yolteye. Là nous dit monsieur yo nous k'ap parler de disciple. En dans disciple nous gen parler de groupe 12 là. Donc c'est familier Yolteye. Et qui ça qui rivé? Eh bien nous connaît dans dernier temps yo li te manje avec yo non jou ki ta jeudi saint et puis l'el fin manje ensemble avec yo et bien c'est là ça li tombé en agonie dans jardin Gethsemane jusqu'à ce que yo rive arrêté le yo fin arrêté li nous connaît yo il subit trois jugements différents et puis après ça yo flagelé li yo couronné là avec couronne piquant après ça yo mette croix sous dol. Et puis Simon Cyrène de l'Potéqual, yo rivé dans tête zo tête là avec Golgotha, là yo crucifié li avec deux autres malfaiteurs et puis après ça, li mouri et l'el mouri zo quoi, même côté à la pou la, yo enterré li, yo enterré le dans caveau qui pas trop loin d'après ça Saint Jean dit nous et travaux ça c'était pour un homme relé Joseph qui c'est moun Arimati. Donc voilà les faits. Fait ça yo irrécusable. Pas aucun monde qui a dit samedi à là, li pas historique, li pas vrai, parce que pour vieux exister dans l'histoire. Ok, donc ça veut dire que sous point ça, pas aucun problème. Mais maintenant, l'elfine, mais yo mette le dans ton bois. Yo dit nous qu'on y a, nous pral commencer gain difficulté. Yo mette le dans ton bois vendredi soir, et puis samedi soir, et puis dimanche matin. Dimanche matin. Les mesdames yo aller dans tombeau yo pas joindre quoi. Voilà le problème. Donc problème yo commencé là. Yo pas joindre quoi dans tombeau. Alors maintenant, qui ça fait mesdames yo même yo aller dans tombeau de grand bonheur et parce que samedi yo pas de cas aller dans tombeau, peut-être qui ça parce que samedi c'était jour sabbat. Et donc sous sabbat yo pas doué marcher gon distance yo pa doué marcher du tout donc yo pa ta pral sorti la caillou pour yo aller dans ton bois donc ça fait jour samedi yo pa t'aller dans ton bois. OK, donc ça veut dire la découverte de la résurrection est faite le dimanche. Est-ce que ça veut dire que la résurrection a eu lieu le dimanche? L'église enseigne nous que c'est dimanche que ça fait parce que c'est dimanche nous gain connaissance de ça parce que si ça t'est fait samedi probablement nous t'a gain de ça pour qu'être qui ça parce que nous connaît d'après l'évangile Saint Matthieu, il a déposé garde soldat devant ton boa et que si tes combats qui t'est passé depuis samedi, soldat yo garde ça yo qui ordinairement yo même y a fait travail comme soldat, eh bien certainement même si c'est sabbat, yo t'a pas le faire comme ça passé là. Donc ça veut dire pas de gain rien qui t'est passé samedi au moins sous élément ça yo, donc certain que pas de gain rien qui t'est passé samedi. Non mais combat qui passé dimanche. Dimanche yo ba wè quoi dans ton bois. Ça qui passé. Est-ce que c'est volé ou volé? Ça c'est ça. Yo dit nous que Matthieu lui-même l'a cherché fait connait que mais ça yo t'ai pensé mais comment on bagaille fallacieux, on bagaille faux yo t'ai pensé. Donc yo dit yo t'ai ces disciples qui t'ai vinn voler quoi parce que li t'ai dit l'a levé bien vivant parmi moi yo vinn voler quoi pour ta faire connaître ressuscité. Oui mais nous on thèse comme ça il pas aucun sens et Matthieu gain raison pour le faire comprendre qu'on bagarre comme ça pas gain sens parce que l'on voler quoi soit faire avec encore enterre ou enterrer encore l'autre côté parce que ou pas quitter la caillou là pour le pourri et puis c'est parce que tout corps qui mourit tout mort et bien à un certain moment a duré et senti il va le sentir. Donc ça veut dire thèse voler quoi sont thèse sans sens. Sont est-ce qui va aucune valeur ni au niveau hypothétique ni au niveau de la recherche historique ni au niveau même d'adit de la science du vivant bah, ça va aucun sens. Donc ça veut dire nous avons besoin de rester sous yo donc venons pas occuper et de voler quoi.
Donc alors, premier bagage, ça crive qui fait quoi par là, nous écarter thèse que c'est volé ou volé quoi. Deuxièmement, qui ça crive? Eh bien, si Kounian là, li quoi par là, ça veut dire que li pa ka disparaître, encore qu'on ça pa ka disparaître, li pa ka volatiliser. Donc ça veut dire c'est levé pour quoi t'a levé sorti dans ton boa. Mais comment encore qu'a levé sorti dans ton tombeau qui ferme avec un gros roche? Supposons que moun n'a pas mouri tout bon vrai. Supposons, il pas mouri tout bon vrai, ça veut dire il t'a levé. Mais il t'a levé directement après 3 jours. Mais pas oublier, moun n'a mangé, moun ça, il mangé depuis jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors il t'a gain force encore pour roche ça que toi moun pa ka rouler pour lui même seul li ta ka rouler. Donc nous rendons compte que c'est pas yon moun qui pat mouri et puis qu'on y en là et tout bon et puis qui levé et puis qu'on y en qui sorti en dans ton bois et puis qui allé. Donc ça veut dire deuxième thèse que c'est pas vrai mouri il t'est mouri mais c'est endormi il t'est endormi après ça li levé li sorti l'allé. Deuxième thèse ça tout nous écarter. Troisième thèse qui rete peut-être c'est dernière, c'est que quelque chose est arrivé. Ce quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui, normalement, nous ne par contre comment pour nous nommer. Parce que, comme ça, pas jamais qu'on fait déjà. Et comme ça, pas de jamais t'es inscrit dans l'histoire, nous. Pour un monde qui mourit tout bon vrai, et puis, il lève tête, li tout bon vrai, et il lève de telle sorte que li pas même moun nan encore. Puisque ça pas jamais été réalisé, donc nous pas gen mot pour nous traduire. Et ça fait plusieurs fois, m'a expliqué ça. Donc, alors, si effectivement, nous pas gen mot pour nous expliquer ça, ça veut dire qu'on y en là, mot nous employé, à savoir que li lève bien vivant. Ça veut dire il est ressuscité et il nous emploie ordinairement. Alors, il est ressuscité, ta vle di, il est bien vivant parmi moyo et puis il pas jamais mourir encore et il gon l'autre qualité de la vie qui pas semblé à la vie avant. Mais Moïse résurrection pas traduit tout ça. Non, Moïse résurrection pas dit tout ça, non. Parce que Moïse résurrection hein, que c'est ça il gay romaine et gay romai ou bien tout simplement anastemi. Que ce soit youn ou lot, mot sa yo yo pa di ça. Par exemple, ge yo mala dit tout son moun ki te couché ki levé, anastemian vle di c'est un moun normalement qui te non position et puis qui campé droit dou bout. Voilà. Donc ça veut dire que résurrection pa vle di yon moun ki te mouri, koun yan ki levé et ki levé ki kon lot la vie ki pa jam mouri encore, mot a pa redi ça. Donc si moi pas veut dire ça, ça veut dire pendant m'a parlé avoir là moi même avoir nous connaît effectivement les nous dit résurrection c'est un mot nous employé comme pisaler. Ça veut dire c'est mot ça nous gagner en attendant. Si nous t'gon pi bon, nous t'a employé un pi bon, mais nous pas gon pi bon, nous dit exactement eh ben li ressuscité pour nous dire li té mouri tout bon vrai li levé tout bon vrai la ville gagne en assemblé avec la ville té gagne avant et puis kounya li pa gagne droit jam mouri encore et quatre bagages ça nous dit oui donc quatre bagages ça yo à savoir li té mouri tout bon vrai li levé tout bon vrai la ville li gagne en li pa assemblé avec la ville té gagne avant et le pape jam mouri encore quatre bagages ça yo le nous dit li comme affirmation. Yo vin tourner pour nous des affirmations de foi. Et comme yo vin tourner pour nous des affirmations de foi, à partir de ce moment, nous vin comprendre que c'est din ka di gon bagay qui t'est passé et ça nous dit qui passé a, c'est quatre bagay ça yo. Nous à savoir que li t'est mouri tout bon vrai, après ça après un petit temps qui pas trop long, ça veut dire à peu près 3 jours, li levé, mais li levé, li pas levé tant que Lazare qui pral mourir encore, li levé pour pas jamais mourir encore. Et puis qu'on y a la ville gagnant, li pas semblé à la ville de gagnant avant parce que non seulement li pas jamais mourir encore, ça veut dire qu'on y a li là dans l'éternité, ça veut dire li pas gagnant rien pour louer avec espace avec temps encore. Donc nous comprenons que c'est ça qui t'est doué passer. Donc maintenant, attendez bien. Moi expliquer nous directement que ça personne ba wel. Attendez bien, oui? Ça veut dire le fait que mot nous employé c'est résurrection moi dit nous mot ali pas droite
pour t'expliquer ça qui a passé à direct. Donc alors mot résurrection, puisque li pas correct, nous n'a toujours continué à employer lui, mais pour bien comprendre ni m'te dou c'est quatre bagailles qui fait. Là on dit mot résurrection pas traduit quatre bagailles ça yo, mais c'est quatre bagailles ça yo nous mettez en donne. À savoir que li était mort tout bon vrai, li levé tout bon vrai, la ville gagne il pas semblé à la vie avant et puis il pas jamais mourir encore. Donc alors maintenant quatre bagailles ça yo qui fait une seule fête, une seule phénomène, un phénomène sans analogie, un phénomène sans référence dans l'histoire. Alors phénomène ça directement moins dire, ça veut dire pour entrer la donne faut qu'on ta connaît comment le passé. Moins dit pas gain personne qui t'ai ouais ça qui t'ai passé là. Comprends ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pas une personne qui t'ai ouais. Donc, puisque personne pas ouais, personne pas qu'a décrit ça qui t'est passé là. Bien entendu, pendant me dit ça, faut t'aller visiter l'évangile Saint Matthieu. Faut t'aller visiter chapitre 28 de l'évangile Saint Matthieu. L'évangile Saint Matthieu lui-même, lui essaye pour une description, mais une description lui essaye pour quoi? C'est pas une description de ce qui était en train de se passer quand il était en train de se lever d'entre les morts. Saint Matthieu plutôt dit comme ça. Pan l'élevé, mais ça nous est qui signe qui dit que nous l'élevé, l'élevé. Ça veut dire nous est cavoua ouvert, monsieur yo ebodi, monsieur yo viré face à terre, et puis mesdames yo quitté, etc. Donc ça veut dire que, mais pendant ce temps, qui ça qui t'est passé en dans ton bois même? En dans ton bois, personne ne va connaître ça qui t'est passé. Donc ça veut dire, et ça fait, moun savait dans affaire théologie, yo dit non, bagaille qui très simple, comme ça yo dit non. Il dit nous comme ça que la résurrection, c'est quelque chose qui a eu lieu entre deux personnes, le Père et le Fils, point final. La résurrection a eu lieu, c'est un phénomène qui a eu lieu entre deux personnes, le Père et le Fils, point final. Pas qu'il y a l'autre monde encore qui te oué ça, pas qu'il y a l'autre monde encore qui comprenne ça, pas qu'il y a l'autre monde encore qui a interprété ça, pas qu'il y a l'autre monde encore qui a information sur ça. Donc, moi dis bien, pas qu'il y a l'autre monde encore qui a information sur ça. Alors maintenant, nous comprenons. Là, nous dit nous en affaire avec ressuscité. Nous dit si c'est ressuscité lié, faut que c'est résurrection qui passe dans la ville. Or, résurrection, nous pas gain accès à lui. Alors, maintenant, qu'on y a, nous capable aller un petit jean plus loin avant, oui. Ouais, nous savons, nous avons théologie. Nous avons cité quelques noms, oui. Nous avons cité un écoué Bultmann pour nous. Rudolf Bultmann. Monsieur, nous consacrons. Mais qui s'est passé dans affaire résurrection? Eh bien, monsieur dit comme ça que résurrection, pas besoin de toloquer le cerveau pour lui. Monsieur dit, une seule façon pour parler de résurrection, c'est dans ça qui est écrit. Autrement dit, c'est dans la prédication. Dans la prédication, veut dire que les apôtres eux-mêmes, ils dit, il est ressuscité, c'est la seule façon pour parler de résurrection. Donc, pour Rudolf Bultmann, ou pas parler de résurrection dans un phénomène historique. Bultmann nous qui dit ça. On pas parler du temps qu'on phénomène historique. Pour lui même ou te gnoa même dit est-ce que oui ou non le ressuscité? Bon monsieur était presque quoi que affaire résurrection c'est tant qu'on bagaille qui son mot mais c'est pas un fait, c'est pas une réalité. Ça c'est Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann son théologien allemand qui te vivent directement dans 20e siècle là. C'est monsieur qui vient avec question de démythologisation ou bien de démythisation de la foi ou encore de l'évangile. Et monsieur qui vient avec causer ça yo et puis tout le monde va l'entrer dans bagaille monsieur a de telle sorte que monsieur vinon un théologien très 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 populaire et au même dit c'est un plus grand exégète qui était jambe gagnant du moins pour 20e siècle là, c'est ta plus grand exégète. C'était une facilité pour lui faire exégèse bagaille ça yo. Yo dit c'est du jamais vu. Bon, bref. Mais c'est ça mon dit sous bagaille là m'a dit nous parce que qui ça qui fait on est goué Bultmann. Li gen droit dire comme ça que résurrection pas un fait historique parce que personne batouel et pour ça il veut tout ça. Mais tandis que gen l'autre monde qui gen l'autre thèse différent. On le goué Maxence même il va penser ça non. Il dit que en fin de compte on peut faire une enquête historique
et aller chercher, comprendre que effectivement quelque chose est arrivé, et ce quelque chose qui est arrivé ne peut ne pas être de l'ordre de l'histoire. Et comme ça, et Maxence, Willy Maxence, comprenez, oui? Maxence, il dit comme ça que, en fin de compte, si dans la foi et puis dans la prédication, nous sommes capables de mettre et poser éléments, c'est que éléments nous posent. Nous posons et comme étant des faits, et faits, normalement, même si nous n'avons pas gagné accès direct à eux, les autres produits, mais ça n'a pas fait que nous pas des faits, parce que normalement, le fait peut s'inscrire aussi dans le dit et donc dans l'écrit. Maxence, comprenez comme ça. Après ça, Libral gagne l'autre toujours, donc on est William Pannenberg. William Pannenberg, qui ça le pral dou? Je pral dou comme ça que la résurrection est un fait historique. Pour qui ça le pral dit son fait historique? Parce que li dou comme ça que moun kap fait histoire yo, ça veut dire que qui a travaillé sur les éléments du passé. Si vous travaillez par exemple sur Jules César, sur Alexandre le Grand, ou encore si vous travaillez, pas qu'on est, sur Platon, sur Aristote comme étant des personnes qui ont existé, tant que Périclès, Solon, Clisthène, Pisistras, okay, Lysimaque, tout le monde, ça, c'est le monde qui, dans la Grèce antique, ou bien dans les temps passés, ou bien Cléopâtre, ou comprenez, ou bien Ptolémée, tout le monde, ça, dans l'Égypte ancienne, monde, ça, qui ça nous fait? Nous battons là, ça qui est passé. Nous avons des témoignages qui viennent joindre nous deux, trois siècles après bagaille au fin passé. Nous prenons écrit ça, nous triturer, nous passer au peigne fin, jusqu'à ce que nous arrivions à nous compte est-ce que oui ou non, nous bagaille là-dedans ou pas. Donc, ça veut dire que historien, je dis, ils sont capables de dire que ou bien Cléopâtre, ou bien Ptolémée, ou bien Jules César, ou bien Platon, ou bien Aristote, ont existé tout bon vrai. Alors pour qui ça, qu'on y en là, c'est de Jésus Christ nous a dit que historien n'a pas aucune façon pour y dire qu'il existait tout bon vrai. Oui, mais ok. Donc ça veut dire que c'est le ça où t'as pas le dit, hein, ben nous fait nous pas honnête. Ça veut dire nous dit qu'on partie monde nous prend, qu'on partie monde nous pas prend, alors que tout y en a même casier. OK, donc ça c'est premier bagaille que William Pannenberg essayait de faire nous comprendre. Deuxième bagaille, il essayait faire nous comprendre. Il dit nous comme ça que normalement, si n'a parlé de historien pas qu'a dit gain fait, li qu'a analyser gain pas qu'a analyser. C'est dégager pour le dégager, le chercher vraie méthode qu'il faut pour lui capable analyser n'importe fait qui paraît devant. Et ça lit tout à fait normal. Donc ça veut dire c'est où chercher les outils ou besoin pour tel fait. Tel fait gain doit c'est tel outil vous utiliser mais les outils ça pas marcher pour faire ça. Donc ça veut dire pour résurrection, l'idée qu'on s'allie son fait historique tout, sauf que c'est pas parce que m'pas twel qui fait pas historique. Donc alors nous t'es toujours voulu lier histoire et voir. Oui mais histoire et voir, ça n'a jamais marché comme ça. Parce que plusieurs bagages n'a pas les deux, nous pas jamais moi non. Bon bonhomme d'aller là, ou même là qui chita sous terre, même non là, yo dou cap viré à la vitesse de 33 km 5 par minute là. Où est ça? Où senti ça? Les grands tremblements de terre, où senti ça? Mais les tremblements de terre, c'est pas rotation de la terre liée. Donc, ça veut dire qu'on bon bagay, ou pas j'aime constater. Yo. Yo dit qu'on ça le soleil se lève et se couche, ou j'aime vérifier que le soleil était couché, il était levé. Non, mais on continue à dire. Donc, ça veut dire, c'est alors, quand un historien me dit oui, il dit le soleil se lève, le soleil se couche. Oui, eh bien oui. Lui dit ça tout le monde dit hein, mais comme c'est historien il dit si vous employons l'autre mot puisque il va dire ah le soleil ne se couche jamais donc il ne se lève jamais. Ouais ça m'amdoula là. Donc faut nous aller droit là. De façon pour nous comprendre que là où monde dit c'est historien, il ou pas capable dire résurrection ou pas la donne parce que normalement sont fait mythique ou bien mythologique lié sous prétexte qu'on pas capable vérifier, sous prétexte qu'on pas gain as ou pas gain aucune donnée pour permettre accès direct au fait. Oui, mais les sortes après c'est à pour 98% de faits du passé, ça t'a pas arrivé là. Donc ça veut dire qu'on y a pas t'a jamais gain exploration dans le temps des événements qui ont eu lieu dans le passé. Pas t'a jamais gain ça. Donc, ça veut dire, dans ce sens, ça, Pannenberg lui dit que son bagage est important pour nous dire que l'histoire n'a pas de limite dans l'analyse. Et là, moi-même, je suis tout à fait d'accord ensemble avec lui.
Tandis que si vous prenez un ami, nous les Jürgen Moltmann, son théologien moi-même en pile. Donc monsieur dit comme ça que là n'a pas de résurrection, nous parle de effectivement un événement historique mais qui vaut et nous directement de préférence dans une promesse. Et donc ça veut dire événement ça nourrit les résurrections hein, sous pour bien comprendre il faut rattacher à un autre il est la croix, c'est-à-dire la crucifixion. Bah nous différents éléments ça ensemble avec frère Mio pour nous bien comprendre que question me déposer à qui ça t'est passé à personne pas toi à est-ce que oui ou non bagaille ça nous apprendre dans cou un bagaille que nous ca camper chita sous lit moi bon différentes positions pour comprendre que nous ca et nous doué chita sous lit donc théologie yo moun savé yo dans affaire bible dans affaire la science eh bien yo prend temps yo pour yo casser tête yo pour yo chercher jusqu'à ce que yo joigne qui ça yo ca dit sous causer ça. Donc moi-même moi baou principale thèse ou bien principale théorie qui disponible. Kounya, vim récapituler pour. Là kounya, et pa yo même k'a parler non, c'est moi k'a essayer parler ensemble avec. Qui ça m'a dit? M'a dit ou comme ça que là ou considérer directement résurrection hein. C'est vrai que ou pas témoin, personne pas témoin, son bagage qui passe entre papa à petite là. Mais gon bagage qui doit certain pour vous. Si personne pas toi résurrection hein, résurrection certainement li produit un effet et effet ça li était visible ça ou a fouti dit pas il va exister m'a bon un premier élément qui irrécusable pour m'a dou ça lié tendez bien yo dit nous que les yo arrêté Jésus les yo brasé les yo brasé les yo brasé tout bon ou pas venir on nèg pour faire remède non. De telle sorte que c'est mesdames seulement qui pourront joindre cap sur Jésus qui n'a pas la croix. Avec yon dernier, yon dit nous, qui est le DBA, le disciple bien-aimé. Nous ne savons pas comment le relé, non? Il est le DBA, disciple de B, bien, et A, c'est aimé, bien-aimé. Le disciple bien-aimé. C'est le disciple que Jésus aimait, le DBA. Donc alors, le DBA, et lui seulement, nous déjouons là. Après ça, avec mesdames, oui, contre l'autre monsieur, tout brasé. Donc si monsieur est brasé, pourquoi ça est brasé? Il est brasé parce qu'il est père. Parce qu'il a arrêté de mettre là, c'est bois. Vêt là, il même c'est bois sec qui est. Il connaît depuis qu'il a arrêté de mettre là, eh bien, il même pas rien qui bon arrivé, il est brasé. Et si il est brasé, il est chapé pour pas arrêter tout, pour aucun bail pas arriver. D'ailleurs, si vous avez une preuve, allez dans Saint-Jean, non. Allez dans chapitre 18 Saint-Jean. Pas venir élément oui qui ça Saint-Jean dit comme ça il dit Saint-Jean dit comme ça que Pierre lui même qui t'a sur bail là on dit Jean en chat pinte ils vont côté yo dit ah ou même ou fait partie des nèg yo et disciple nèg ça oui ah Pierre s'est menté ah ouais Pierre s'est menté dit il va connait garçon ça il va connait là dit tout ni en pète ni en venti non donc ça veut dire comprendre bien si Pierre dit il va connait nèg là si toute l'autre nèg yo brasé. Ça veut dire que ce n'est pas un jour et demi, deux jours et demi, trois jours et demi qui t'a pas le fait que les gens viennent prendre confiance. Qui ça pas le fait prendre confiance là? Sauf si les gens qui passent dans le mi-temps, en un même, et qui fait comprendre que ça a été compris, ça a été mal compris, il faut recomprendre. Sauf si les gens comme ça qui passent. Et celle bagay qui a passé, c'est que, effectivement, comme li levé bien vivant parmi moyo levé bien vivant parmi moyo pral opérer une transformation la caille monsieur yo en transformation ça qui pral opérer la caille monsieur yo à suite de levé a parce que yo pral wè li ou bien pral quitter yo wè li yo pral reconnaître que c'est ressuscité allié ça li même yo pral mettre la foi yo dans ça yo pas jamais moi a pourquoi. Est-ce que vous comprenez côté miawa onya? Donc ça veut dire monsieur apotio, monsieur disciple, yo pral mettre la foi yo nan ki ça, nan ça yo pas trouver, ki ça yo pas wè. Yo pas wè que le té levé bien vivant parmi moi, yo pas jamais té wè ça, personne pas trouver ça me dit. Donc yo pral kwè ça et yo pral kwè ça tant kou yon bagay ki rive tout bon vrai, tant kou yon fait historique. Me donner sou histoire encore. Donc monsieur pas pral di son bagay ki passé seulement non, yo pral kwè tout bon vrai que son bagay ki passé, ça qui passé à relé résurrection. Ça veut dire lever bien vivant parmi moi pour pas jamais mourir encore. Yo pral croire ça. Et donc croire yo pral croire ça pral transformer totalement la vie monsieur yo. Et donc si la vie monsieur yo pral totalement transformer, alors vous comprenez ça qu'a privé là.
La vie, monsieur, est là, l'entrée de former, ça veut dire tout ça qui était avant, vient tourner avant, qu'il y a eu l'autre bagaille qui vient tourner après. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après dans leur vie. Et qui est-ce qui fait avant et après? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils n'ont pas vu, la résurrection. Comprenez-vous ça? Résurrection. Donc, ça veut dire résurrection, pour opérer un changement catégorique. La caille monsieur, de telle sorte que ça y était impossible pour yon ouais, pour yon quoi, pour yon comprendre, pour yon analyser, pour yon définir, pour yon cataloguer. Yon va le faire le kounyan facile, easily. Mais ça arrive. Donc ça veut dire, nous, ouais, que c'est n'a parlé de résurrection, nous n'a parlé d'un bagay clé. Et je dis, ni moi, ni où, nous pas parlé de la foi au ressuscité en premier, non? Nous parlé de la foi en la résurrection. Donc, autrement dit, nous presque fait ressusciter à disparaître en dans résurrection. Nous presque fait apparition, hein, li disparaître en dans résurrection. Parce que résurrection, c'est lui-même kounyan qui vient tourner nan cause à pour nous. D'ailleurs, on est goé Paul pour le ban raison dans samedi. Qui ça Paul Braldo? Si le Christ n'est pas ressuscité, vain est notre foi. Autrement dit, c'est résurrection qui tout cause à kounyan. Ah! Est-ce que nous mesurer ça m'a dit non là zanmi mio? Est-ce que nous mesurer que on bagaille personne ba jambe moi et qu'on y a les tourner bagaille central qui fait la vie des milliards de monde à travers le temps et à travers l'espace. Je dis à nous gain 1.3 milliards de chrétiens sous terre. Tout monde ça yo si ta ça yo quoi sous samedi à la oui, à savoir que yo pas tout ouais ça qui passé mais c'est sous ça yo pas ouais qui passé, c'est sous li au camper. Ou t'as dit yo pas camper son rien, et bien c'est là yo camper son bail là même. Donc ça veut dire résurrection vient tourner poteau mitan la vie tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Alors nous reli m'pa konnen si m détail bail là défile en aiguille pour nous, mais gen ti bail là nous t'a dû réfléchir sur yo. Nous pas nécessairement konnen bagarre en plus à travers émission ça, à travers conférence ça, mais certainement nous gagne matière en plus pour nous réfléchir, am certain de ça. Le fait que comme Simdado nous habitué dit il est ressuscité tant qu'on bagaille n'a pas mangé on qui n'a pas foué dans bouche nous, moi même m'ta vle jodi an kounyen nous pas fait ça encore comme chrétien comme chrétienne. M'ta vle comme Simdado chaque fois n'a dit il est ressuscité pour nous comprendre effectivement que c'est un mystère central qui engageait toute la voie net, et mystère central ça il passait par l'alambic de la foi des premiers apôtres, des premiers témoins, des premiers disciples qui eux-mêmes n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors, pour me finir, je dois faire un petit passé directement sur Thomas. Parce que bon bon monde qui remet dit, oh, c'est Thomas, mieux faut moi quoi. Si je ne sais pas quoi. Bon, dans la foi à l'épreuve du quotidien, moi parler de Baïsa déjà, je n'ai pas besoin de tourner sous lui. Mais, quitte me dit que ni Jean, ni Luc, sous de l'évangile, ça y est. Yo fait ça yo relé yon systématisation de la corporéité du ressuscité. Une systématisation de la corporéité du ressuscité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout de évangéliste ça yo, yo voulait faut comprendre que mais ça passe tout bon vrai. C'est que pour identification parfaite entre le crucifié et le ressuscité était qu'a fait via la résurrection, faut effectivement yo était capable démontrer que c'est pas on l'autre moun yo wea, mais c'est si la même yo était cloué sous croix et qui était mourir, c'est lui même tout qu'on y a qui ressuscité. Donc c'est Jean avec Luc qui prend temps pour le faire travail ça. Eh ben ça veut dire dans sens ça Thomas lui-même qui ça Thomas m'a demandé. Thomas m'a demandé pour louer crucifié à qui ressuscité. Et donc Thomas voulait identifier crucifié et ressuscité dans le même élément de représentation. Ça veut dire. Ça veut dire pour dire que yon crucifié égale ressuscité, ça veut dire que le même corps, la même personne. Oui, mais ça Thomas m'a demandé, ça n'existe plus. Point. Non? Ou on est comme ça? Non, parce que c'est moi même qui pas cadré avec ça Thomas Vleya. Thomas Vleya justement yon impossibilité absolue.
livre exactement que on ressuscité pas ressuscité et ça le voulait. Et ça le voulait oui, mais par contre si ça le voulait. Il voulait que sous ressuscité ou ressuscité de telle sorte que ou pas ressuscité et ça Thomas voulait. Parce que sous ressuscité, comment on fait gain max sous? Sous ressuscité, comment on fait gain corps qui ka gain max sous lui? Sous ressuscité, comment on fait gain corps qui besoin manger? Sous ressuscité, comment on fait gain corps qu'on y a là qui soumis à l'espace? Sous ressuscité, comment on fait gain corps qui soumis au temps? Non? Sous ressuscité, tout ça me dit là, il est pas nécessaire. Donc ressuscité, il pas besoin rad pour le mettre sous lui. Tendez bien. Il pas besoin manger pour le manger, tendez bien. Il pas aucun max sous col, tendez bien. Sous pour un couteau pour piquer, si on gang vini avec un gros âme sous les boutirel, rien pas passé. Mais c'est ça oui. Donc Thomas lui-même, il était besoin qu'on ait que ressuscité à direct. C'est lui-même qui crucifié à. Donc ça veut dire après 3 jours faut max yota là. Edouard pour le comprendre comme ça. Parce que gain pas le pas de quoi faire. Et ça fait me dit Thomas pas ouais rien. Nous toujours ap dit ça, il pas ouais rien. Là quand Jésus dit avance ton doigt. Mets ton doigt. Est-ce que Thomas te mettait doigt lui tout bon? Faut Thomas te gain doigt là pour la mettre mes amis. Nous la comprendre comme ça. Et puis faut ta gon tout pour le mettre maintenant tout mes amis. On ta comprendre comme ça. Bon alors maintenant nous devons clarifier l'élément ça, la corporéité du ressuscité après nous. Ça veut dire pour me faire nous comprendre que c'est peut-être même un miracle. Ce miracle, c'est un miracle possible. Puisque le miracle est justement ce qui sort un peu des lois ordinaires de la nature et qui nous permet de rester dans la nature, mais avec des éléments surnaturels. Donc, ça veut dire que si Jésus levait bien vu en bas, c'est-à-dire c'est le plus maximal. Maintenant, avoir un corps qui porte les traces de l'avant-résurrection, c'est le minimal. Comprenez comme ça? Oui, c'est comme ça, vous comprenez. Donc, ça veut dire que, pas mettez en tête que Jésus te gagne max ou col, max clouyo. Mais si, qu'on y en la livre, l'eau fait ou vous voyez max clouyo, l'ika fouwe yo, mais parce que col, poté yo, kembe yo, col gagne en paka kembe bagay sa yo encore, faut ça clair. Et moins que tout ça. Et sa théologie, l'Église catholique l'a dit nous. Et tout en me dit nous, pour nous aller dans causer ça bien, il faut nous aller relire encore une fois le chapitre 15 de la lettre de Paul, la première aux Corinthiens. Il est en abjoint les propriétés du corps ressuscité. Et là encore, faut nous connaître Paul qui a décrit un bagaille que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté du cœur et de l'intelligence et de la volonté de l'homme. Faut nous comprendre ça. Autrement dit, pour nous t'as parlé de résurrection bien, faut nous-mêmes nous t'as déjà ressuscité et t'as vive expérience du ressuscité et de la résurrection, ce qui n'est pas encore arrivé à aucun humain, sauf le ressuscité. Ouais. Donc ça veut dire, même Paul, il a parlé nous de ressuscité, hein, de corps ressuscité, c'est toujours des langages humains employés. Mais langage humain, pas qu'on est, bagaille ça a dit tout. Alors, et ça fait me dire, personne ne peut pas passer entre papa et petit là que nous et la résurrection. Hein? Et même les nous ressuscité, nous ne pas qu'on est si c'est lui. Nous retournons sur bagaille ça après. En fin de compte, nous connaissons que tout bagaille ça est extrêmement complexe et compliqué. Mais heureusement, a venu ça a dompté la foi non ça a d'emblée la foi non tout dompté et d'emblée parce que les ça nous vient dire ah bah elle a solide vrai oui. Et pas parce que me pas comprendre non qui fait pas bon et pas parce que me pas comprendre qui fait pas belle non pas oh des fois et soit pas comprendre non même qui belle devant Dieu oui. Et mes résurrections sont phénomène comme ça hein et Jean Mdou là donc nous si je prends parler, je vais prêter, messieurs, dames. Alors, nous avons campé là pour aujourd'hui. Nous avons campé là pour aujourd'hui pendant que certainement nous allons faire effort pour nous porter une deuxième conférence encore. Nous pensons que nous allons parler de ressusciter les arts. Et oui, nous allons parler de ressusciter dans la deuxième conférence. Là. Et puis après ça, nous avons parlé de l'apparition. Nous pour ressusciter en deuxième lieu. Donc, mais ce n'est pas jeudi, c'est dans l'autre émission. Pour l'émission jeudi, ça seulement qui était, c'est doux merci. De ce côté attentif, ou t'as suivi bah, là, sans que vous ne pas virer ni à droite ni à gauche, ou t'es fixé, ou t'es focus.
Mais si vous êtes ça, ça a son fidélité liée. Et fidélité, ça, c'est seulement à Radio Télé-Soleil ou Fèle et à Oratoire Notre-Dame du Peuple de Secours. Et il mérite ça tout. Et il demande ça tout. Il n'est pas le seul, mais il mérite ça. Et puis, toujours non, merci. Il ne faut pas oublier Bolton comme caméraman. Il ne faut pas oublier Pierre-Louis qui est réalisateur. Tout monsieur ça, et qui permet que l'émission soit allée nous, clé contre le comme ça. Donc nous disons merci de ce que vous permettre, nous sommes disponibles pour que ça vienne jouer nous. Mais pas oublier, et toujours question, ça nous pas jamais de carré, oui, qui est central là. Ou les gens qui pensent qu'il faut ouais pour y croire, ou les gens qui ne peuvent jamais gagner un jeu qui carré, ça a besoin de quoi. Mais si les gens qui ont assez la foi pour y croire, ils peuvent rendre compte que j'ai carré plus loin que ouais. Et ça m'a souhaité pour vous. M'a souhaité au genje qui a le plus loin que ouais. Et sous genje qui a le plus loin que ouais, ça veut dire j'ai ça lui-même, li et quoi le bral quoi. On je qui quoi, son je qui gagne des facultés que l'autre je yo pas gagne. Et j'ai ça m'a besoin gagne. Et sous genje ni la bon moi, la bon pour Radio Télé Soleil, la bon pour l'église là. L'église catholique en Haïti, cap goumen, cap goudi et cap bataille pour un ciel nouveau, pour un terre nouveau. Merci en pile pour attention. À la prochaine. Ciao.